Donne-le-moi. C'est bon, c'est ce que je fais. Doucement, c'est ça. Ouais, c'est super, continue. Un tube bleu? Dis-moi, c'est un tube bleu? Doudou, détends-toi. Penche-toi. Si je reste pas. Chut, chut, chut. C'est bien. Allez, continue. Surtout, reste tranquille. Fais des gestes lents. Continue. Super, mon grand. Doucement, mon grand. C'est ça, voilà. C'est bien. Tout va bien. Doudou, comme ça. Génial. Ok, c'est ça. Poursuis ton chemin. C'est ça. Oui, tu peux y aller. C'est très bien. C'est ça, tout droit. C'est bien. Gentil petit, gentil petit. Pourquoi t'es si flippé? Les escargots rochers sont cool. Y'en a qui sont sympas. Tu le sais en fixant leur regard. Faut les regarder dans les yeux. Et en plus, celui-là nous a sûrement sauvé la vie. Comment ça, il nous a sauvé? Il va répandre ton odeur partout sur la colline. On a eu de la chance. Ce vieux Chumbler ne va pas savoir dans quelle direction elle est. Donc le Chumbler va suivre l'odeur de mon t-shirt, c'est ça? Merci, monsieur l'escargot rocher. Merci, monsieur l'escargot rocher. Ouais, c'est cool. Merci. Ce sont des êtres sensibles. Mais ils peuvent aussi t'écraser en un rien de temps. Sur quoi tu travailles? Oh, rien. C'était un petit projet que j'ai commencé il y a quelques temps dans ma colonie. En fait, à chaque fois qu'on rencontrait un nouveau monstre, je faisais une petite rubrique. Je le dessinais. Et j'écrivais quelques infos, les forces, les faiblesses, des trucs comme ça. J'avais le sentiment d'aider, tu vois. Ah, t'as un bon coup de crayon. Merci. Ah, celui-là, je l'ai vu. Un sale bâtard. Ouais. Il aime pas quand on gueule. Ouais, je sais. Et il aime pas non plus recevoir une balle en pleine tête. Tu pourrais ajouter ça. Tirer une balle en pleine tête. Ça y est, c'est noté. Je peux regarder? Ouais, bien sûr. Merci, c'est gentil, merci. Wow. Ouais. J'avais 16 ans quand ils ont tiré. Ouais, ils ont tout envoyé en même temps pour le pulvériser. Et en plus, ils ont le toupet de nous appeler les chanceux. Tout ça parce qu'on n'a pas été impacté par les effets secondaires. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas eu de chance d'avoir été éjecté du sommet de la chaîne alimentaire. Ouais, mes parents se sont dit que... si on pouvait sortir de Fairfield, on pourrait avoir une chance. Attends une minute. T'habitais à Fairfield? Ouais. Pourquoi? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réussi à sortir de Fairfield. C'est la ville qui était considérée comme le point zéro. Putain. J'ai entendu que des sales histoires. C'était pas très beau à voir. Tes parents? Oh, non. Ils sont pas survécus. J'ai pas pu les sauver. Attends, tu culpabilises pour ça? Tu viens de faire fil, t'aurais même pas dû être là. Ok? Pour moi, t'es un vrai miraculé. C'est la chose la plus sympa qu'on m'ait jamais dite depuis longtemps. C'est déjà ça. Continue. Thank you.